se demande bien pourquoi tu l'as laissé passer la petite daronne, hein. Non. Non, pas du non, tout. C'est pour les enfants. Ah putain. Hey, ça rend mieux comme ça n'empêche hein. Hein? Ça rend mieux comme ça. Ouais. J'ai un cheveu dans la bouche gros, j'arrive pas à m'en débarrasser. Du coup je suis en train de cracher dans ma cagoule. C'est bon. Oh. Ne me jugez pas, hein, s'il vous plaît. Un petit peu d'indulgence. Non, mais c'est juste horrible quand t'as un cheveu coincé dans la bouche là, tu peux rien faire là. T'as l'impression que tu te fais ken par un cheveu, tu vois, genre c'est mauvais bail quoi. Hein? Ah merci beaucoup. Oui, ah, ouais, bah, c'est... ah c'est une ligne complète, c'est pour ça. Ouais c'est un mille ouais. Mais bon ça sert à rien ici hein. Ouais, aller t'amuser, ouais. Allez bon courage, salut. Elle a rien vu, mais alors rien du tout quoi. Le fait était indiqué à droite, t'as regardé à gauche. En même temps, sélection naturelle, mon pote. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait avec sa trottinette là? Ah putain! Ah, mais je serais tellement pas sûr! Oh putain! Ah, les mecs, ils sont dingues quand même. Hein. Déjà que nous, on est assez barjot de rouler en bécane. Alors en trottinette, ça c'est... Pouah, je pourrais pas le faire. Ouais, il a 70. Hein. Ça... Eh, ça pousse ton truc, hein. Tu prends combien avec? Ah ouais? Et il est à combien? Il a 70. Ah, vas-y, fais attention, mon pote. Oh là là, mec, c'est énorme. Ah, il m'a tué. Oh là 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 là. Putain, c'est... Ah, je kiffe son machin. On est pas en face, fait, c'est homologué. Hein? C'est homologué aussi. Mais est-ce que nous, on l'est aussi? Bon. Voilà. Putain mec, t'as des petites LED et tout quoi, c'est... Mais ça vaut 3000 euros ça hein. Ouais, c'est certainement. C'est ça. Ouais. Ok d'accord, il a dit, il faut faire, c'est 3000 euros. Ouais, c'est ça hein. Putain, c'est un alien quoi. Ouais. T'as même un clignotant, non, t'es mort. Oh, c'est ouf. Putain, mec, tu m'as refait ma journée là, je te jure. Hein? Attends, je t'entends pas, t'as dit quoi?
Ah ouais. Ah, je flouterai ta tête. Ah ouais. Ah ouais, je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour ça. C'est quoi la chaîne? C'est Ça me suffit. Ça me suffit. Ouais. T'iras voir. Allez, bon courage, bonne journée, salut. Fais gaffe à toi, hein. Ça drift waouh waouh. Je suis vraiment un gamin. Un jour j'ai fini par mettre au taf à force de faire des trucs comme ça. Petite zone industrielle. Putain c'est bien pour lever ça n'empêche hein. Attends, je vais voir ce que ça donne. Vas-y. Oh bah toi t'as pas le temps, vraiment vieille. Ah, le dernier était ça va. Hein? Ouais. Ouais. Je me suis fait un peu caca dessus, attends, j'ai. Ah, vous en faites pas pour le ralenti, c'est normal. Faut que je la fasse régler au banc. C'est pour ça qu'elle a un ralenti chelou. Et ça, je vais le faire bientôt, mais bon, pour le moment, il n'y a plus trop de thunes, donc on va attendre un peu. Du cul hein. Avec tes jambes on dirait des feux rouges. T'as porté 20 kilos, on t'a assisté à 8. Et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah! Putain, il m'a tué, je crois qu'il avait posé le genou. Putain, je reconnais cet endroit, j'y allais à l'époque. Il y avait le JP Moto ici à l'époque. Je sais pas s'il est toujours ce JP Moto. Alors JP Moto, pour la petite anecdote, c'est le concessionnaire qui s'occupait de ma moto. Oh, il y a de ça au moins, je dirais 4-5 ans, ma première moto, donc du Bandit 650, c'est lui qui s'en occupait. Il s'occupait du SV 6,5, et ensuite, bah, quand je suis passé chez Honda, avec le CBR, bah, du coup, je suis passé chez chez Seb Desmo Moto, hein, que j'ai rencontré entre-temps, qui assure maintenant tous mes entretiens. Mais sinon, voilà, le premier à s'occuper de mes bécanes, c'était JP Moto, dans le 91, je sais pas s'ils existent encore, c'est ce qu'on va voir. De toute façon, c'était juste après... Si ma mémoire est bonne, c'était juste après le BP qui est là-bas. Non, il était là par là. Ah non, ça existe peu. Cacha Gérald Otepotitos. Toyota. Ouais, non, c'était avant. Donc, ouais, non, il n'existe plus. Donc, JP Moto, ça n'existe plus. Bah écoute, repose en paix, mon petit JP. Hein?
C'est combien? Ça c'est 8000 euros. Ouais. 5000, ouais. Elle est belle. GSX-R. C'est quoi dans ton dos là? C'est quoi ça là? Ça c'est un sac à dos. Non, 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 c'est juste un sac à dos. Non, par contre, j'ai la dorsale qui est en dessous. Ah, okay. Ouais, ouais. Ça, c'est ouais, ouais. Merci, frérot. Quoi? T'as dit quoi? J'ai dit, t'es un enfant, tu dois te coucher tôt. Ouais. J'ai mon petit lait qui m'attend. Ouais. Oh. Ouais, je prends le sang. Salut les gars, rentrez bien, ciao. Yes.